Alors salut frérot. Salut frérot. Alors dis-moi, douceur ou sauvagerie au lit? Franchement frérot, je veux pas être méchant avec toi, t'as pas l'air méchant, mais va demander à ta sœur, elle t'en dira mieux. Douceur ou sauvagerie au lit? Dites-moi ce que vous en pensez, c'est ça la question du jour. D'ici là, portez-vous bien. Générique. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. On est avec qui aujourd'hui? Wendy. Jeanne. Je m'appelle Aline. Je sais pas. Oh tu sais pas, t'as pas de prénom en fait. T'as pas de prénom. Elle a pas capté. Tu peux parler de lui. Charlotte. Charlotte, d'accord, moi c'est Charlot. Douceur ou sauvagerie au lit? Ah je suis mort. Sauvagerie. Sauvagerie. Oui. Ah ouais t'aimerais bien, t'aimes bien. Oui. Et pourquoi pas la douceur Un peu au début et après faut... Ah ouais. Faut envoyer quoi. Faut envoyer quoi? Elle a dit faut envoyer. Ah Wendy. D'accord, en tout cas les gars, il faut envoyer Wendy, elle a bien fait. Sauvage ou doux au lit? Ah plutôt doux hein. Plutôt doux, ouais, j'aime l'amour moi, j'aime l'amour. Ah ouais, l'amour. Ah, c'est ouais le premier mec à me dire doux. Hein, ah doux, c'est l'amour, c'est ça ouais qui est bon. Ouais, ouais, doux à mort. Sauvage. Et alors, sauvage, mais ça fait fuir les meufs être sauvage aussi. Ah ouais? Ce qu'il faut, le secret, tu sais c'est quoi le secret? C'est de jamais finir avant la meuf. Voilà. Faut la satisfaire à 100%. Peu importe, sauvage ou pas, faut jamais finir avant la meuf. Jamais. D'accord. Est-ce que tu es en couple premièrement? Non. Non. Douceur ou sauvagerie quand tu es en couple? Sauvage. Sauvage. Voyons. Comme tout le monde. Ouais. Sauvage et tout, je comprends pas en fait. Ah bah parce que la douceur c'est chiant. Ah ouais? Bah oui. Ou une femme? Bah oui. C'est la douceur et tout. Mais écoute, je dois pas être comme tout le monde mais non. Ah ouais. Ah 2019, quelqu'un derrière la caméra elle a dit 2019. Ah donc vous c'est plus l'homme s'il est sauvage et tout. Ouais. Donc, et vous c'est ce que vous êtes sauvage? Bah un peu quand même, il faut, ouais. Et si vous tombez un jour sur un homme qui n'est pas vraiment... Ah bah falloir qu'il se secoue un peu, hein. Oh! Mais il m'a pas dit que c'était ça comme question. Faut être sauvage. Ah ouais? Faut rendre les gens sauvages. Mais après tu vas te fatiguer tout et tout, tu vois? C'est ce qu'il faut, hein. Faut finir fatigué, hein. Ah ouais, et la meuf sera KO. La KO. Douceur. Douceur? Non, tu es sûr? Oui. T'as l'air d'être sauvage un peu, ça se voit. Non. Non. À vous. Non. Ah ouais? Ouais. T'as des beaux yeux toi hein. Merci. T'as bien combiné, rose et tout. Merci. Dis-moi, c'est ta couleur préférée ou... Non. Alors c'est... quelle couleur? Ma couleur préférée c'est le noir. Noir? Ouais. Tu réponds hein. D'accord, alors la question c'est simple, j'espère que tu vas être franche. Ouais. Avec toute sincérité. Oui. Ok, alors dis-moi, douceur ou sauvagerie au lit? Douceur. Douceur? J'aime pas la sauvagerie. Ah ouais? Je compte la violence. Ah, t'es contre la violence? Ouais. Et dis-moi pourquoi douceur? C'est plus intense, ça fait pas mal, il y a plus de sensations. D'accord. Dites-moi, est-ce que d'abord vous êtes en couple? Non. Ah, je l'ai quitté, hein. Ah non, tu te fais virer, arrête de mentir, voilà. Non, poteau, ah, poteau, arrête. Non, pas moi. Ah, il fait le beau gosse, ouais, donc. Il fait Saint-Charo. D'accord, ah, Saint-Charo. Alors, bon, les gars, la question c'est simple, dites-moi. Douceur ou sauvagerie au lit? Poteau au lit? Ouais. Sauvage, frère. Sauvage! Ah, oh, mais il est violent! Sauvage! Il faut regarder la caméra! Sauvage! Poteau. Ouais. J'aime aussi un peu de douceur. Un peu de douceur, ça, voilà. Ça attends, en vrai, ça dépend, tu vois. Ça dépend, c'est quel genre de meuf, tu vois. Genre, si c'est une meuf, genre, si ta meuf, t'es en couple, tout ça, tu vois, tu fais les choses tranquilles, tu vois. Voilà. Après, si c'est une chouin, gros, termine là. Bisous dans le cou. Si c'est des bords et tout, bisous dans le cou. Tu la traînes, gros, tu la mets sur la planche, gros, tu lui fais du sale, gros. Voilà. Donc, pour vous, sauvagerie, les gars. Ça ou pas, caméraman? C'est ça ou pas? Ouais, on est africain ou pas, gros? D'accord. Voilà. Pour les gars, sauvagerie. Ça va? Ça va et toi? Tu me regardes bizarrement. Non, en fait, j'attends ta question. On dirait que tu me regardes bizarrement. Non, ça va. D'accord, alors dis-moi. Tu es en couple? Oui. Ah ouais? Depuis un moment où... Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. En tout cas, big dédicace à lui s'il nous regarde. Et la question, c'est simple. Dis-moi, tu es plutôt douce ou sauvage au lit? Eh, tu veux savoir ça pourquoi? Ça dépend de mon... de mon mood, en fait. Mais si on te dit, tu as genre, en fait, tu préfères la douceur ou sauvagerie? Plutôt sauvage, je dirais. Plutôt sauvage. Ouais.
Ah ouais. Et dis-moi, pourquoi sauvage? Bah parce que dans la société, en fait, on est obligé de garder une posture. Et du coup, bah, au lit, je pense qu'on se met plus à l'aise avec la personne bah, avec qui on est, quoi. D'accord. Vous êtes pour le... On vous fera pendant le rapport, pendant un rapport. Ah, genre, au moins, on tape tes fesses et ça fait du bien. Voilà. Toi, t'as vu ça, oui. Enfin, pas trop de violence, en fait. Pas de violence. Bah, tendrement. Juste un peu de provocation, ça va. D'accord. Est-ce que vous détestez, alors? Bah, je le prendrais pas bien si on me tapait fort ou si j'avais... si un jour après, j'avais des marques. D'accord. Bon, la question... C'est un peu osé, on va essayer. Douceur ou sauvagerie au lit? Avec douceur, avec amour, ça va? Ah ouais? Ouais. T'es beaucoup plus douce et tout. Ouais, t'as capté. Le mec, il est trop sauvage et tout. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Douceur. Douceur. Mmh. Ah ouais? Bah oui. Ça se voit, hein? Et pourquoi douceur? Bah parce que c'est important, la tendresse, la sensualité. Tu es en couple? Non. 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 Ah, et pourquoi une charmante fille comme toi? Bah, je sais pas, hein, faut demander aux autres. Aux autres. Ah, d'accord. Alors, la question, c'est très simple. Mm-hmm. Douceur ou sauvagerie au lit? Ça dépend. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend de l'humeur. Ah, exactement. Voilà. Quelle humeur, en fait? Si vous êtes fatigué, si ouais, voilà, pas, ça dépend. Si on a eu une bonne journée ou si c'était fatigant, ouais, ça dépend. Mais si on vous dit de faire un choix entre les deux, vous direz douceur plutôt. Douceur plutôt. Ouais. D'accord. Et si tu tombes sur un mec qui est sauvage, souvent? Il y a moyen de s'arranger, à mon avis. D'accord. Voilà. Donc, pour vous, c'est plus douceur. Plutôt, ouais. Pas la rapidité. Non. Bah après, ça dépend des meufs, hein. Ah ben ça dépend des meufs. Sinon, moi, c'est avec douceur, avec amour, c'est tout. Voilà. D'accord. Et si le mec, il n'est pas doux? Bah, pourquoi je coucherais avec lui? T'es pour ou contre? En fait, déjà, ça se voit sur le comportement quand une personne est violente et douce. Donc, de là, je saurais s'il est violent ou pas. D'accord. Donc, pour toi, si le mec, il est violent, c'est mort? Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur un mec violent? Ouais. Comment t'as pu gérer la situation? On a arrêté. Ah ouais? Non, parce qu'il était violent. Ouais. Un message pour lui. Fallait pas être violent. Nom. Fallait pas être violent, mon gars. Désolé. Alors la question, c'est très simple. Est-ce que d'abord tu es en couple? Ouais. Ok. Tu préfères qu'il soit doux ou sauvage au lit? Je suis pas dans ces trucs-là. Ah ouais? Ouais. Mais non, c'est une question en fait. Non, moi je fais rien avec mon mec. Non. Si. Comment ça? Bah on attend de se marier. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à lâcher un max de pouces bleus pour une deuxième partie. N'oubliez surtout pas, follow-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Pour plus de précisions, contactez-moi, on peut parler, proposez-moi des idées. Bon visionnage. Non, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve au prochain numéro.